Ski Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Cette émission est enregistrée sur les pistes du Mont Sutton. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Cette semaine, nous avons le privilège de revisiter une station absolument exceptionnelle. De sa jeunesse, près d'un demi-siècle d'existence, même un petit peu plus, elle a tout de même gardé un caractère unique qui fait tout son charme. Renommée pour ses sous-bois fabuleux, conjuguant un esprit alpin et forestier, nous allons apprendre tous les secrets du Mont Sutton avec la famille fondatrice, la famille Boulanger, que nous rencontrons à l'instant. Denis, Luc, Christine et Margot Boulanger, 4 des 10 enfants de Réal Boulanger, apportèrent leur couleur à la station en y travaillant. Luc Boulanger, le Mont Sutton n'a pas commencé dans l'envergure qu'on connaît en ce moment au tout début. Non, c'était beaucoup plus petit, là. C'est-à-dire, il y avait juste deux télésièges, j'avais le deux avec l'arbalète à l'époque qui est aujourd'hui de Ouest. La famille Boulanger arriva à Sutton en 1945. Harold Boulanger décide avec ses fils de mettre en valeur le potentiel récréatif de la montagne. C'est son fils Réal qui se découvre une passion pour le ski alors qu'on cherche une vocation hivernale pour la crèmerie familiale. La continuité, comment s'est fait le développement? Comment on a été plus loin en essayant de garder l'âme de la montagne? Bien, tout simplement, on a juste préservé. Nous, ce qu'on a fait suite au décès de notre père, il y a eu le cercle qui s'est rajouté, le secteur 7, qui est complètement à l'est. Ça, c'était nouveau. Mais le reste, c'était tout là. Et puis, ah non, sauf un ouest, c'est vrai aussi. Les deux extrémités, c'était pas développé. Les sous-bois qu'on a, on a tout simplement préservé. Oui, il y a eu de la pression pour qu'on coupe, qu'on fasse des boulevards, qu'on ouvre, qu'on élargisse. Mais même en installant la neige fabriquée, je prends entre autres dans le télésiège 5, on a tout gardé les îlots, les rochers, et puis on a même décablé le télésiège lorsqu'on a dynamité pour passer la tuyauterie, puis on n'a pas élargi pour autant. On a amélioré certains endroits, mais sans tout blaster, là, C'était une mode à une époque au Québec de créer ces boulevards, ces pistes très larges, très droites, très uniformes. Ouais. Ça a été dur de résister à cette mode-là ici? Oui, on a été critiqué beaucoup. Hein? C'est sûr qu'on a eu beaucoup de critiques. La perception des gens, l'entretien qui n'est pas la même. C'est pas le même entretien non plus. Une montagne comme la nôtre, les sous-bois qu'on a, les pistes naturelles, ça se travaille pas de la même façon. C'est plus long. Hein? Nos pistes ouvertes, nos pistes où on est enneigé, ce qu'on appelle nos autoroutes, nous autres, là, le Yup-Yup, le 2, le Mohawk. Ça, c'est fait toutes les soirs comme les autres stations. Mais le reste, c'est encore du grooming alternatif. C'est lorsque ça en a besoin. C'est pas fait toutes les soirs systématiquement. À ses débuts, le Mont Sutton comptait 4 pistes. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, la station comporte 60 pistes. Le Mont Sutton, c'est une expérience de ski unique. Des sous-bois reconnus comme étant les meilleurs au Canada, un terrain varié et un respect de la nature au cœur des décisions. La nature a toujours fait partie intégrante de Sutton, non pas juste par les sous-bois, mais vous continuez à l'entretenir. Oui, absolument. On plante des arbres annuellement, on essaie de protéger. Les gens aujourd'hui skient beaucoup dans les bois, entre les pistes, sont à peu près à détruire lentement nos entrepistes. C'est une problématique aujourd'hui. C'est important de maintenir les entrepistes? Bien, ça a été là, c'est un patrimoine. Hein? Ça a été laissé là pour des raisons à l'époque. Les raisons de l'époque, c'était pour protéger des vins. On a mis de la signalisation. Avec le marketing, on travaille beaucoup pour sensibiliser les gens. Oui, les gens viennent ici parce qu'ailleurs, ils ont développé du ski de... C'est du ski de forêt qu'on appelle, nous. C'est très dense. C'est du bois nettoyé. Puis ils font... C'est ça, leur sous-bois. Parce que nous, ici, nos sous-bois, nos vrais sous-bois, c'est plus dégagé que ça. Puis les gens peuvent facilement... Ski entre les arbres. Plus accessible à tous les calibres. Plus accessible à tous les calibres, exactement.
un problème avec les arbres ou les bosses? Christine Boulanger, comment votre père, qui n'était pas skieur, a pu développer de si belles pistes et un si beau centre de ski? Bien, il savait ce qu'il aimait en ski, même s'il n'avait pas skié longtemps. Puis il avait découvert qu'est-ce qui faisait plaisir aux skieurs en demandant aux skieurs ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas à la suite d'une descente en ski. Il allait à l'extérieur pour ça? Il allait, oui, il skiait. Il avait commencé à JP, à Sto. Il a skié J, mais quand il allait à Sto avec mon oncle, mes tantes, ma mère, souvent, il arrêtait les skieurs pour demander « Qu'est-ce que vous avez aimé? Avez-vous aimé ça? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? » Puis mon oncle Benoît disait, qui est le frère à mon père, il disait « Préal, là, c'était tranquille. Viens-t'en, on va skier. » Alors, lui, quand il a développé, c'était pour le plaisir du ski, le plaisir du skieur, toujours ça en intention. Votre père est décédé jeune, à 55 ans. Est-ce que ça aurait pu sonner le glas de Sutton à ce moment-là? Est-ce que, à un moment donné, vous avez pensé de dire, bon, on va laisser aller la station, on ne continuera pas? Ah, je pense pas. Mes oncles ont tenu la barre. Mes frères ont tenu la barre. Ma sœur a travaillé, mais mes frères Denis et Luc ont passionné du ski autant que lui. Ils connaissaient sa vision. Les oncles avaient la vision. Mon père a toujours parti ça avec la famille, avec sa famille, puis ses neveux, tout le monde. Alors, eux ont continué dans la même idée du plaisir du ski, là. Jean-Luc, es-tu prêt pour une surprise dans la surprise? Une surprise dans la surprise. Oh, Christine, quelle belle piste, la surprise! Bien, je pensais que t'aimerais ça. C'est de toute beauté. Oui, bien agréable. Assez large, pas trop, étroit, beaucoup d'arbres. Ouais. Superbe. Si vous aviez quelque chose que vous voudriez qui se perpétue dans la montagne, dans l'esprit de la montagne, pour les prochaines générations, ça serait quoi? Bien, d'apprécier la beauté du ski, c'est que ça change tout le temps. Fait que de pas essayer de bloquer le ski à une condition parfaite. Chaque condition a son challenge, si vous permettez le mot. Puis c'est ça, c'est de s'habituer aussi aux conditions. C'est pas... Les conditions sont changeantes, le ski, c'est changeant, puis c'est ça qui est le plaisir à renouveler tout le temps. Fait que de pas l'arrêter dans du ciment. C'est de la neige, ça change, ça a une vie. Puis c'est pour ça qu'on skie encore, là. C'est jamais pareil. C'est ça qui est beau. Merci beaucoup, Christine. C'est bien apprécié. Ça me fait plaisir. Profitez-en. Le Mont Sutton, c'est un coup de cœur de longue date pour moi. Je suis content d'y revenir. C'est tout ce que le ski a de mieux à apporter, rien de moins. Un accent mis sur l'environnement. C'est une montagne qui a des pistes étroites, qui portent à une certaine intimité. Elles sont bien abritées du vent et ces pistes étroites ralentissent le flot de skieurs, ce qui évite de se retrouver immédiatement à la remontée mécanique et ce qui fait profiter davantage de nos descentes. C'est un véritable petit joyau. À travers les 75 stations du Québec, c'est ironiquement la seule qui offre ce type de ski qu'on retrouve et qui est un type de ski qui est de plus en plus recherché, autant par moi que par beaucoup de skieurs. Vraiment, le génie de M. Boulanger se fait encore sentir, même 50 ans et plus après la création de cette station. Chapeau, Mont Sutton, et continue à nous éblouir comme tu le fais depuis si longtemps. Aujourd'hui, on peut toujours croiser les enfants de Réal Boulanger sur la montagne. Et c'est avec leadership, passion et innovation que son œuvre se poursuit au Mont Sutton, grâce à la famille, les employés, les partenaires et les fidèles clients. Il a adoré le ski la première fois qu'il en a fait, puis il a dit « c'est ça,
Sautun, on a une montagne, aussi bien la développer qu'on skiera là. Puis nos employés à la laiterie vont pouvoir travailler l'hiver. Donc, c'est une continuité. Et la laiterie se situe à Sautun? À Sautun, dans le village. Il a adoré ça, il a tracé des pistes. Il s'est embarqué, il dit à son père, il faut qu'on parte un centre de ski. Puis là, mon grand-père est allé chercher du financement. Puis lui a continué avec ses... Il avait 10 enfants quand même à la maison. Il a tout fait ça, puis ma mère a tenu le fort. Beaucoup. Il couchait des fois sur les tables à pique-nique pendant qu'il faisait de la neige. Toutes sortes d'affaires de fou, là. Mais papa, c'était tellement la passion puis l'amour de la montagne, puis ça a continué. Puis Luc a travaillé avec lui, puis ça... son énergie, ça... son amour du ski. Luc, on le voit en ski, là, il chante, il saute. Papa, le printemps, il skiait dans la... des fois du foin, là, puis les côtés de piste avec Christine, puis n'importe qui, là. Puis c'était comme... Il rentrait, là, puis il disait... Puis... Oh! C'est la plus belle journée de ski. C'est lui, la montagne, c'est pas nous. Moi, j'ai rien fait maintenant, là. J'ai travaillé. Tu sais, j'ai pas de mérite d'avoir développé ça, là. Chanceuse. Quand je skie, je le vois, puis je lui dis merci à chaque fois que je skie, parce que je me dis, regarde, tous ces gens-là qui sourient puis qui sont de bonne humeur, c'est grâce à lui, là. C'est une montagne à caresser, hein? En ski, il y a beaucoup de relief. On a vu des rolls, des butons. Tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Tu sais, en partant de la pente qu'on vient de prendre, là, il y avait un pitch, tu savais pas ce qu'il y avait à l'autre bord, hein? Un petit saut, puis c'est l'adrénaline au maximum à ce moment-là. Alors, c'est plein de rolls, des intersections, on en voit plein. Alors, on fait nos propres descentes. Il y a tellement d'intersections, il y en a au-delà de 200... Je crois que c'est 204 intersections maintenant. Alors, 204 intersections, dans une piste, tu peux la faire plusieurs fois en changeant d'embranchement. Nous commençons notre après-midi avec Pierre Leblanc, qui connaît la montagne comme le fond de sa poche. Des belles surprises à venir. Oui, on va monter en haut du 24, on va aller skier nos beaux sous-bois de notre belle toile d'araignée qu'est le Mont-Sautun. Vous avez recruté des bons skieurs? J'ai une couple de mes bons chums, Michel et Simon. Tu vas voir ça. Pierre Leblanc, papa d'un athlète exceptionnel. On va en apprendre davantage dans un instant. On y va? Pierre-Yves Leblanc est l'un des meilleurs freeskiers au monde. Il a reçu des mentions d'excellence et a remporté des championnats canadiens de freeskier en 2002 à Whistler. Pierre Leblanc, votre garçon a commencé ici à Sautun, Pierre-Yves Leblanc. Que fait-il maintenant et où est-il? Bien, actuellement, il vit dans l'Ouest, tout près de Whistler, où ça fait déjà presque 20 ans qu'il est parti par là, parce que c'est là-bas que ça se passait, le gros ski dit extrême, ce qui s'appelle maintenant du free skiing, là. Et lui, c'est ça qu'il voulait faire. Suite à une assez belle carrière de compétition ici, là, il a commencé ici à Sautun, puis il fait beaucoup de compétitions. On peut le voir, entre autres, dans certains films. Oui, il a fait plusieurs films. Le dernier qu'il a fait, d'ailleurs, qui a gagné ce qu'il appelle le meilleur film de Big Mountain de tous les films. Tu sais, il y a des films de gros, gros budget, là, tu sais, comme des films de Matchstick puis de, et d'autres, là. Mais ça, c'est un film à petit budget qui a été fait par Dendrite Studio qui s'appelle Out of the Shadows. Ce sont tous des skieurs qui, maintenant, font d'autres choses. Parce que là, il n'est pas à plein temps dans le ski, là. Et ces skieurs-là, malgré tout, ils ont gagné le meilleur film de Big Mountain à travers toute la planète, là, qui ont présenté les films, là. Pierre Leblanc est fier adepte de Sautun depuis plus de 46 ans. C'est peut-être pour cette raison qu'il a transmis sa passion à son fils qui a commencé à skier ici à l'âge de 3 ans. Je skie certainement 4-5 fois par semaine. Souvent pas des journées entières, là, mais c'est clair que quand c'est beau, je vais faire la journée. Une journée poudreuse, c'est du première chaise jusqu'à la dernière. Là. Et vous, quand vous skiez à Sautun, qu'est-ce que vous recherchez de cette montagne-là? Je recherche toujours le terrain, moi. Je suis un fouineux. J'essaie jamais de skier la même ligne. Pour moi, le sous-bois, pour moi, ça fait partie d'un de mes plus beaux sous-bois parce que c'est un sous-bois qui a toutes sortes de terrains.
puis c'est un peu un sous-bois qui est moins fréquenté. Puis il faut aller le chercher. Cette année au Mont-Sutton, il y a le concours Instagram. Sortez votre téléphone intelligent, prenez une photo de votre paysage favori et le Mont-Sutton remettra une paire de billets, après un comité de sélection, à la photo de leur choix. L'un des endroits préférés de Pierre sur la montagne est le secteur de ski à l'ancienne ouvert en 1998, la Fantaisie. Dès son ouverture, la revue Ski Canada avait qualifié ce sous-bois de meilleur nouveau domaine skiable de l'est du pays. Tout à l'honneur du Mont-Sutton. Merci à Pierre pour la belle visite. Restez des nôtres. Ski Mag vous revient après cette pause. La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Durant les dernières années, la caméra GoPro a complètement révolutionné le monde de la caméra. Les gros changements cette année pour la Hero 3, c'est une caméra miniaturisée, donc un petit peu plus petite que le format précédent. La carte mémoire, qui peut aller jusqu'à 64 GB, est miniaturisée cette année aussi. Il y a maintenant trois nouveaux modèles de caméras GoPro, la HD White, HD Silver et la HD Black. La lentille GoPro a grandement été améliorée. Également, les trois modèles de Hero 3 enregistrent maintenant en 1080p. L'édition Black fait même 60 frames par seconde, ce qui permet des ralentis de toute beauté. Je vous dirais que la plus grande différence cette année, c'est que la caméra GoPro, que ce soit les trois nouveaux modèles, sont disponibles pour le Wi-Fi. Soit qu'on utilise la manette, donc pour activer directement la caméra à distance, ou on peut utiliser aussi notre téléphone intelligent. On peut contrôler directement ce qu'on filme ou prendre des photos instantanément. La nouvelle caméra est deux fois plus puissante que ses prédécesseurs. On peut se procurer également le tout nouveau cadre de fixation qui est la façon la plus compacte et légère de fixer la caméra. Quel que soit le sport que vous pratiquez, la caméra GoPro est très polyvalente. Elle peut venir avec plusieurs accessoires qu'on peut se procurer, soit pour le ventre, au niveau du casque, au niveau du poignet, au bout d'un bâton. Donc, c'est très, très, très polyvalent comme style de caméra. La Hero 3 peut venir aussi avec différents formats de boîtiers. Donc, premièrement, un boîtier pour la plongée, pour la neige ou un boîtier percé pour entendre l'audio. Avertissement, peut-être que lors de votre prochaine descente de ski, vous serez filmé. Au cœur des cantons de l'Est, la ville de Sutton offre un charme unique. Sur la rue principale, des boutiques, des commerces et des galeries proposent plusieurs choix aux visiteurs. Depuis peu, l'auberge Deheka, si au cœur du village et se veut un lieu de rassemblement, comme il y a plus de 100 ans où se rencontrent les Suttonois pour échanger et partager leur quotidien. L'auberge propose un concept d'hébergement novateur et unique en Estrie. Le rez-de-chaussée de l'auberge ne tardera pas à devenir un incontournable avec son bar lounge et ses gros fauteuils qui permettent aux gens d'admirer la rivière. On y retrouve aussi plusieurs chambres bien équipées avec mezzanine. Très bien insonorisée, elle offre un décor moderne et urbain qui change des petites auberges champêtres. Classée 4 étoiles, chacune des spacieuses chambres largement fenestrées peuvent accommoder confortablement 4 personnes. L'auberge Deheka se situe dans les 25 meilleurs petits hôtels au Canada. Après une journée exceptionnelle sur les pentes du Mont Sutton, avec des conditions impeccables, le bar Tucker, c'est un incontournable. Ici Jean-Luc Brassard, merci d'avoir été des nôtres. Ce rendez-vous pour une prochaine émission. Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Cette émission a été enregistrée sur les pistes du Mont Sutton. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Aujourd'hui, Pierre Leblanc. On va en apprendre plus pour vous dans quelques instants, mais où nous amenez-vous? Où allons-nous? Unique, à un caractère exceptionnel. Et là, je ne sais plus où je m'en vais.
Pierre Levesque. On va commencer. Et le Mont-Sutton, avec son comité de sélection, décernera une paire de billets au gagnant du plus beau portrait. C'est un beau portrait. Un portrait. Un portrait.